Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Alors, dans mes précédentes vidéos, nous avons vu la création d'un étang ainsi que sa population. Donc aujourd'hui, nous allons monter la maison, c'est-à-dire nous allons faire les murs et le toit, voir un petit peu, je ne sais pas trop, en fait, j'ai pas vraiment d'idée sur la construction. J'espère que ça vous plaira quand même. Alors, je vais tenter de vous faire quelque chose d'assez sympa. Et si vous voulez suivre en même temps que moi, puisque je le fais, je ne voulais pas faire un speed build parce que je me dis que si quelqu'un veut faire, on ne voit pas trop... On le voit pas trop quand c'est fait au ralenti. Pardon. Et bien, décidément, ce matin, oui, parce que nous sommes le matin, il est très tôt pour moi. Donc, je bafouille un peu. Allez, c'est parti pour cette construction de maison. Alors, nous allons dans l'outil mur. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être une pièce toute simple. Je vais essayer de ne pas la faire trop grande parce que j'aimerais vraiment... faire quelque chose de sympa à l'extérieur, mettre une écurie, un jardin, un espace jeu pour les enfants. Qu'est-ce que j'oublie? Le petit barbecue aussi, ça s'impose pour l'été. Puis après, je verrai bien s'il y a de la place pour faire une petite piscine ou pas. S'ils ont envie d'aller à la piscine, ils iront à la piscine à l'extérieur. Nous allons voir ça ensemble. Donc, je vais peut-être descendre, voilà, pour voir les carrés et essayer de voir comment je vais procéder pour faire cette maison. Alors, je vais faire... peut-être pas trop large, hein, quand même. Hein. Ouais, comme ça. Pas trop large ou pas trop longue. Ensuite, comme j'ai pas envie de la faire... carré, peut-être faire un autre... Je sais pas trop. Allez, hop, on va essayer d'improviser. Là, c'est plus épais. Hein. Après, quand c'est trop grand, c'est pas top. On va déjà là par ici. Allez, voilà. Oui, on va laisser comme ça. On va mettre peut-être. Oui, pareil, allez, j'ai bien envie de faire comme ça. Là, il y a assez d'espace pour le tour. Oui. Alors, sur le dessus, nous allons faire un petit mur, un petit mur comme ça. Allez. Je vais voir, c'est vraiment un petit croquis, là. On va voir un petit peu comment on va faire après. Je vais faire une petite entrée à quel niveau? Ici peut-être. Oui. Ou pas. Où est-ce que je vais faire ma salle à manger, mon salon et ma cuisine là-dedans? Les toilettes. Voyons voir. Bon. Bah, allez, on va la faire ici l'entrée. La faire sur 4, sur 2, comme ça. Hop, hop. On ne change plus rien. On repart là-haut. Et là, on va mettre les toits. Alors, pour les toits, on va faire ça. Choisir celui-ci. On part un petit peu. Voilà. Hop, on va mettre ça. Et là, sur les côtés, on va mettre petit. Hop. Masse, s'il veut pas venir. Ah. Et voilà. Comme ceci, mais on va le réduire. L'amener ici. Et le surélever. Qui viennent rejoindre, mais je vois pas trop. Voilà, et là on l'amène jusqu'au bout.
sympa, non? Ça commence bien, on peut le dire. Hein? Oui, on peut le dire, on peut le dire. Ici, on a un autre mur aussi. Un autre mur, pas un mur, un petit toit. Ah, je suis pas une flèche, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je l'ai déjà dit que je n'étais pas une flèche. Je prends mon temps parce qu'on est là pour s'amuser, pour apprécier le jeu. Hop. Et là, on va mettre aussi sur le côté des petites... Ah, ben mon entrée, elle est mal placée en fait. Hein. Bon, on va la changer de place. On va la mettre je sais pas sur le côté moi elle me plaisait bien ici l'entrée en fait mais là ça va pas le faire je vais la mettre sur le côté si. Allez hop, on va refaire la même chose pour ce côté là. Zoom. Je l'ai fait trop. D'un demi-poil. Oup. Voilà. Ah ben non, mais là, c'est trop bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Probablement la hauteur, alors. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Et on va faire pareil sur les côtés de celui-ci. Je n'ai utilisé aucun code. Je vous le dis, si jamais vous avez envie de le faire sans code, et ben c'est le moment ou jamais. Il n'y a pas de code pour l'instant. Ça va plus vite de faire un petit copier puisque de l'autre côté c'est la même chose. Voilà. L'entrée me plaît pas non plus là. Hein. Oh, zut. Allez, je vais la mettre là. Et on n'a plus de musique. Hein. Hop. Voilà, donc ici, on va faire une petite entrée. Oui. Et on va agrandir tout ça. Ça vient pas jusqu'au bout. Je sais pas ce que j'étais en train de faire. Mais... Voilà. Bon, bah, si je peux faire l'entrée par ici. Pourquoi être comme tout le monde? Allez, hop. Je vais mettre l'entrée ici. Ouais. Sur le côté. Ça change une entrée sur la façade. Après, on peut en mettre deux. Si, on va en mettre deux finalement. C'est bien aussi deux entrées, non? Qu'en pensez-vous? Surtout que la maison, elle ne doit pas être petite.
Oui, ben c'est bien comme ça. Hein. On va mettre un petit toit sur chacune de nos entrées. Alors, ça va être tout pareil, hein, le petit toit ordinaire, comme ça. Comme ça. Je sais pas. Je regarde. Comme ça va pas le faire. Ça, on l'agrandit un peu. Ça peut le faire comme ça. Oui, bien sûr. Allez, hop, le deuxième, le même. Je l'ai mis plus haut. Hein. Non, je l'agrandis un peu. Et voilà. Et avec un petit arrondi. Il est peut-être plus arrondi celui-ci, non? Bon. Ou c'est celui de devant qui n'est pas assez arrondi. Je sais pas trop. Voilà, j'en ai un peu plus. Ah, voilà. Ah ouais, c'est sympa. Alors, voyons voir un peu les décorations que nous avons. Alors, je vais choisir, parce que évidemment, tout sera fait avec le jeu de base. Et vie à la campagne. Alors, pack. Donc, jeu de base. Oups. Et vie à la campagne. Et ben voilà. Ah, ils n'ont mis que ça. Ah bon. Bah, je suis vraiment déçue, là. Ah ouais, sérieux, ils nous ont mis que ça. Bon. Et en fenêtre et en porte, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ah. Porte d'espoir et la porte hortoire. Ben, j'ai bien envie de mettre des portes comme celle-ci. Oh, quelle couleur pas noire. Hein. De cette couleur. Ah bon, ben, ça va bien avec avec l'entrée. Avec la couleur des toits, pardon. Il va falloir aussi que je mette le bord des toits d'une autre couleur. Les bordures, la bordure du toit. Voilà. Là, là. Ah ben voilà. Mais c'est pas celui-là que j'ai. Si. Pour ce qui est de la couleur, ouais, on peut changer. Hein. On peut faire un petit. Ah, ça va se voir aussi. Oh là, oh là, 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 là. C'est quelle couleur j'ai choisi? Ah non, c'est pas ça. Ouais. Quelque chose qui ne me plaît pas là-dedans. Allons voir en mode vie ce que ça donne. Oui, bah évidemment, en mode vie ce que ça donne. On a envie de tout voir. Pourquoi ici il y a ça? J'ai dû. Faut que je retourne dans le mode construction parce que mon toit il est un chou trop haut. Ça n'a rien changé là. Hein.
Ben non, je comprends pas là. Pourquoi là-bas c'est bon, puis ici c'est pas bon? J'ai pas mis les toits à la même hauteur. Mais si, pourtant, ils sont à la même hauteur. Bon. Alors, qu'allons-nous faire de ce toit? Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas baissé ça. Non, si. Bon, et le chien. Le chien qui prend la parole. Non, mais dis donc. Bon, bah écoutez, je vois pas. Quand je diminue, ça fait un vide là. Ou alors, c'est peut-être rien à voir avec cela, mais plus à voir avec celui-ci. Bah, par ici, c'est bon. Par ici, c'est bon. Alors pourquoi de l'autre côté, c'est pas bon? C'est étrange. C'est vraiment très étrange. Bah, je retourne en mode vie parce que là. Ah, ben voilà, je viens de comprendre. Oups! Et voilà, un mode... voilà. Et ben, il m'en aura fallu du temps pour mettre ce petit toit. Pardon. Excusez-moi. Donc, nous allons voir pour mettre les fenêtres. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau dans cette... Oh, plein de choses. Ah ouais, plein de belles choses. Oh, je ne sais que choisir. Voyez-vous, je découvre vraiment avec vous. Ah, oh, ça avec les petits volets, c'est sympa ça. Dans la même teinte que... Ah. Oh. C'est pas cette teinte, ma maison. Elles sont plus claires. Hein. Elles sont plus claires. Ah, comme ça. Oui, c'est joli ça. Ça, elle me plaît bien. Ça, oh, avec des petits volets verts. Oh oui, avec des petits volets verts. J'espère que vous aimez le vert. Oups. Allez, on va mettre deux là. Et bah 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 petit en haut, des petites en haut. Je vais essayer de trouver quelque chose de sympa aussi. Pareil que ça, mais en... Ah, c'est les mêmes en plus petit. Ah non, ça va pas aller ici. Ça. Faut que je vois. Hop. Comme ça, non, c'est pas la même couleur. Comme ça, c'est pas la même couleur non plus. Si je pourrais en mettre une ici, sans code, ça va pas aller. Bon, j'ai mis les portes, j'ai mis les fenêtres ici. On va peut-être mettre une autre fenêtre ici, mais laquelle? C'est quoi ça? Est-ce bien joli? Ah ben c'est pas du tout ça. Hein. C'est ça? Bof. Changeons de maison. Non, pas du tout. On va peut-être élargir ici alors pour essayer de mettre. Ça va tout bouger. Ça va tout changer. J'ai pas envie de tout recommencer parce que. Tout le monde n'aime pas recommencer, donc je mettrai des faux. Va falloir inclure le code. Voilà, non, j'ai pas envie de mettre des petites fenêtres. Ça, voilà, bah oui, c'est les mêmes. Ça y est, ça va aller, c'est les mêmes. Oui,
Et voilà. Donc il faudra quand même mettre le code parce que. Mais au moins elles vont ici, hein. Ouais. Mais là en haut, elles ne vont pas y aller, à moins que je mette carrément la petite fenêtre comme ça là en haut, mais il veut pas non plus, hein, le coquin. C'est pas grave, je mettrai ça, mais il va falloir que je tape le code. Voilà. Ici, il faut taper le code. Et ben, nous allons le faire ensemble. Allez. Hop. Bébé. Move object. Voilà. Non. On n'a rien vu. Voilà. Très bien ici. Comme ça, je vais en mettre une de l'autre côté, comme ça. Voilà. Alors, derrière, je mettrai des fenêtres aussi. Faites-le de votre côté également. Je vais regarder avec vous ce qu'il y a en façade. Ah oui, toujours avec le pack jeu de base. Et oui, à la campagne. On va tout mettre, hein. Ah ben voilà. Ah, oh, j'aime les maisons en pierre. Moi. Ah oui. Et ça, c'est de la briquette. Non. En pierre. Oui, oui, oui. Oui. Et en haut. On met de la briquette en haut. Bon. Voilà. On aura utilisé comme ça la pierre et la briquette. Je n'ai pas changé la couleur parce que je trouve que ça va super bien. Derrière. Si j'ai mis aussi, oui, j'ai mis. Voilà. Pourquoi? Alors il y a des moments, je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Ah voilà. Oups. Eh bien écoutez, nous reprendrons demain pour la suite parce qu'aujourd'hui on a bien travaillé. La vidéo va être assez longue. Mais vous pourrez toujours regarder le début et la fin si ça ne vous intéresse pas de savoir où j'ai mis les fenêtres et comment, de quelle couleur, tout ça. Vous pouvez passer directement à la fin. Écoute, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez aimé ma petite vidéo, lâchez un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye!